À l'époque, on était jeunes. Et ça, c'était sur Fun. Esprit Fun 90. Toi aussi. Alain de Bourgoin, 23 ans. Salut Alain. Oui. Ouais, allô, bonsoir. Bonsoir. Ouais, et ben moi, quand je touche le clito à ma femme, avec. Oui, avec la radio qui est un peu trop fort derrière et qu'il faut baisser tout de suite. Voilà, parce que vous êtes une radio géniale et puis vous apprenez beaucoup aux jeunes. Ça, c'est un truc qui est bien que nous, on n'avait pas. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 23 ans. Bah, t'es jeune encore, hein? Ouais, non, mais c'est un truc qui est bien. Je trouve que vous parlez beaucoup de sexe et tout. C'est bien. Pas que de sexe, hein, d'ailleurs. Ouais, non, oui. C'est des trucs qui sont bien. Oui. Et moi, je vais vous demander si c'était normal quand je touchais le pito à ma femme. Elle arrête pas de s'exciter et puis elle veut pas des fois. Alors... Elle veut pas. Alors elle s'excite et elle veut pas qu'il lui touche le clito. Ouais. C'est peut-être ça excite un peu trop, non? Mais est-ce qu'elle a du plaisir? Bah ouais. Et quand tu lui mets un doigt, elle aime ça ou pas? Bah oui, elle aime ça. Alors bah par contre, quand tu touches le clito, elle aime pas. Bah non. Parce quand que tu mets un doigt, tu peux aussi toucher le clito en même temps, non? T'as pas l'impression? Oui, il y a une chose que je dois te signaler, il faut que peut-être que tu apprennes, c'est que le clitoris, c'est quelque chose de très très sensible. Et le toucher doucement, c'est bien, l'effleurer, mais lorsque la pression est un tout petit peu trop forte, les garçons ne le savent pas toujours. Moi, j'aime pas entre deux doigts. C'est désagréable. Ouais. Donc, il faut peut-être qu'elle t'apprenne aussi la façon de la caresser, la meilleure manière de la caresser, qu'elle soit agréable et pas douloureuse ou pénible. D'accord. Hein? Ouais. Et elle peut faire ça? Bah ouais. Tu lui as demandé? Bah oui, même des fois, sans lui demander, elle veut que je la pénètre, mais moi, des fois, je me sens gêné, quoi. De la pénétrer? Hein? De la pénétrer? Ouais. Pourquoi t'es gêné de la pénétrer? Bah, par l'anus, quoi. Ah, par l'anus! Alors, je me sens gêné. Mais non! Je me sens gêné. Elle aime bien ça, et toi, t'aimes pas prendre par l'anus? Ah non, c'est question de respect, pour moi, je trouve ça... Ouais, c'est elle qui demande. Hein? C'est elle qui demande. Il a pas envie. Ouais. Tu n'as pas envie, n'est-ce pas? Bah non. Et bah c'est pas gentil, parce qu'il faut savoir faire plaisir aux femmes. Ah bah, et accéder à toutes leurs demandes. Pas du tout. Les rapports sexuels, ça se partage à deux et il faut être d'accord. Oui, même je pense qu'il faut respecter les femmes et quand elles demandent quelque chose, il faut accomplir. Et tu le fais tout de même? Bah je voudrais bien, mais... Je peux pas lui faire mal et puis faire une déchirure ou quoi que ce soit. Non. Oui, t'as bien raison. Mais sinon, pour le reste, les rapports sexuels se passent bien par voie vaginale. Ça se passe bien. Quand je lui caresse les seins, les petits bouts, ça lui fait des choses bizarres. Elle aime pas trop non plus. Oui. Alors, elle est compliquée. Hein. Alors quoi, tu la touches avec les yeux? Non, mais avec la langue. Ah, avec la langue. Elle passe la langue sur les bouts des seins. Et ça, elle aime. Elle aime, mais ça lui fait comme une sorte de chatouille, je sais pas. Ça lui fait bizarre, quoi. Ça dépend comment tu lèches, ouais. Ouais. Bon. Bien, je pense qu'il n'y a pas tellement de problèmes. Bon, a priori, les réactions sexuelles se passent bien. Les réactions comme ça, peut-être simplement la pression était un peu forte ou quelque chose comme ça. Quand on a une relation à deux, je pense qu'il faut en parler. Et le partenaire n'a pas toujours la notion des zones sensibles, celles qui donnent le plus de plaisir. Donc tout cela, ça s'apprend à deux. Il faut apprendre à l'autre. C'est la chatte, les zones sensibles, non? Il n'y a pas que ça, non? Oui, il y en a d'autres, oui, bien sûr. Et cela, ben c'est pareil, il faut en parler, c'est simple. Oui, et puis ce qui est chiant, c'est que ça dépend des nanas, parce qu'il y a des nanas qui aiment bien que tu leur fasses certains trucs, et puis tu fais la même chose à une autre nana, elle aime plus. Ah oui, t'as déjà essayé, toi? Bah oui, c'est compliqué. Eh oui. Je t'ai dit, autant de femmes, autant de plaisir. Oui, c'est pour ça qu'on change souvent, alors. Hein? Non, pas du tout. Bien sûr. Bon, bah voilà, là, bon courage, et puis bise à ta femme, et à tout de suite au 16147 22 5000. Si vous voulez parler en direct, profitez-en, c'est Love in Fun, c'est la dernière de la semaine, on est vendredi.